It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Bonjour à tous, amis de l'info. Ça s'appelle un raté. Oh, j'en ai marre de ce film que déjà il me hante. Bon, on fait refait comme si vous n'aviez pas vu. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Donc, Goldie. C'est pas ma faute. On a perdu Goldie. Mais à coup de pas. Oui, ce n'est pas ma faute. Voilà, ça y est, tu nous les as toutes faites, on va pouvoir avancer. Oui, nous allons vous parler d'un film proposé par 13e Rue, qui fait souvent des films... De 2006. Étrange. Vas-y, continue. Étrange. Et qui a fait, donc, en fait, ça c'est un téléfilm. Oui, qui vient d'une série de téléfilms. Il y a 7 téléfilms, je crois. Voilà. Notamment, il y a La Chambre du Fils, parce que c'est le seul que je possède, je crois. Mais les autres sont trouvables. Je crois qu'il y a Un Vrai Ami, Alloué, Conte de Noël, Spectre... Je crois, et il m'en manque. Mais voilà, il y a. C'est pas mal. Voilà, donc, du coup, voilà. C'est un très bon film, regardez-le, il sera dans le prochain épisode. C'est. Ça va peut-être le fait. Pourquoi on vous présente ça comme, tout de suite comme. Parce que faut. Membre d'une série de téléfilms. De téléfilms. C'est ce qui est pour moi, d'ailleurs. Ouais, mais c'est parce que c'est un petit côté téléfilm. Enfin, ça peut dire. Ouais, voilà, c'est la façon dont c'est filmé, tout ça. C'est... un peu... Ça vous fera relativiser certaines Donc, choses. Alors, c'est de réalisé par Narciso Ibanez Serrador, vas-y, fous-toi de moi, qui est décédé en 2019, je vois que tu as mis ça. Oui, ben, je précise parce que des fois, quand ils sont... Oui, c'est là, vrai que, voilà, donc... Et à son âme. Qui avait travaillé donc sur la série, je suppose. Oui, c'est lui le concepteur de la série. De Under Stress, d'accord. Respondado Traves, qui quand même a fait 10 saisons et qui quand même a duré de 72 à 2004. Ah, pour 10 saisons, oui, ils ont pris leur temps. C'est Et Les Révoltés de l'an 2000. Ah oui, alors je sais que ça c'est connu, ils ont sorti le film il y a quelques années. Je le cherche. D'accord. Ça m'intrigue. C'est sur des enfants qui se rebellent contre la société. D'accord. Et La Résidence. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, alors, je m'excuse d'abord, j'ai pas fait espagnol moi à l'école. Moi donc, oui, mais ça m'aide pas. Avec les acteurs, donc Niebe de Medina, qui joue le rôle de Anna. La méchante du film, ouais, enfin, comme ça. Ouais, voilà. L'ambigu du film, qui a joué dans Les Lundis au Soleil. C'est une chose qu'on verra jamais, chaque fois c'est la même. Mais c'est bon, c'est bon. Et là, je suis curieuse de savoir ce que tu nous vas faire. Ah, il y a ça. Elle, ça, c'est Bola. Eh ben, c'est un film que j'ai découvert quand j'étais petit, avec quand j'étais en bac au lycée, et c'est très très chouette, un film très dur, moralement, sur un petit jeune qui est de famille de merde, qui va trouver un pote qui est de famille assez bien, qui va vouloir s'habituer, mais il a une famille de merde. Il est très très c'est sympa. Plus joli qu'en synopsis. Donc c'est de l'an 2000, et La Mère, comme de 2016. Et donc, La Mère, en 2016. Non, moi, mais avant. Voilà. Donc, après, on a... Oh là là. C'est pas mieux. Monize Mostaza. Monte Mostaza. Monte... Ah, c'est un... Mostaza. C'est un T. Monte Mostaza. Pas Monstre. Pardon. Hein. Qui joue Gloria. Oui, voilà, ça, c'est facile à dire. Qui joue donc l'héroïne du film. Enfin, et qui joue... Voilà. Alors, mais oui, d'accord, je savais que je l'avais déjà vu. Qui joue dans Ouija. À 2003. De 2003. Alors, Fire 2014, et Le Crime Parfait en 2015. Non, Le Crime Farpé, et ça se dit vraiment comme ça. Ah bah le d'accord. C'est vraiment Le Crime Farpé, moi aussi je pensais que ça allait faire. Non mais comme je suis dyslexique, moi ça me paraissait non, pas crime bizarre. Le Crime Farpé, en 2004. Oh la c'est... vache. Et, putain c'est pire en pire. Allez, je vais le faire. Et Alexandra Lorenzo. Ouais, bah, qui ça joue... va, Alexandra Lorenzo. Oui mais j'ai fait espagnol. Qui joue Vicky, donc la gamine que vous voyez sur la pochette. La petite fille, ouais. Et qui a joué dans Carlitos, Un rêve, un but, devenir numéro 10. C'est hyper bon comme titre. En 2008. Oui, c'est-à-dire que c'est... Les témoins du mal.
en 2008 également, parce qu'en fait, on a tout fait les mêmes années. Ouais. Et Pudeur en 2007. Vous avez peut-être une vidéo sur les témoins du mal, je sais qu'il existe en DVD, mais je ne le possède pas. J'ai l'impression d'être une pub rapide Oui, pour c'est un ce que truc j'allais informatique. Bon, alors, tout ce petit Le petit moment. Thomas attend sa maman. Non, Si, pardon. synopsisons le fait que je serai visite chez Auchan. Excusez-moi. Donc, la faute. Dans les années 70. Ah, c'est toi, c'est les années 70. Ça m'énerve, fais dire ton arrière. Oui, non, mais ça a une importance au niveau du scénario. Oui, visuellement déjà. Oui, et au niveau de ce qu'elles font. Aussi, c'est Dans vrai. les années 70, Anna, une gynécologue, pratique des avortements illégaux, excusez-moi. Comme l'opération est très sencilla, je solo llevar la cama. Dans son cabinet privé, quand Gloria, une jeune maman célibataire et infirmière, commence à travailler dans le même hôpital, Anna les accueille, elle et sa fille, en échange de son aide. Que quede bien claro que no me debes nada. Tu hija y tú viviréis aquí y a cambio de eso por las tardes me ayudarás en la consulta. A veces vienen al consultorio mujeres embarazadas. Por alguna razón no quieren tener el hijo. Gloria commence vite à s'inquiéter après une série d'événements suspects. Mais quand elle tombe enceinte, la situation ne fait qu'empirer. Vicky! ¿Por qué no te llevas la muñeca? Está mejor aquí. Aquí no puede pasarle nada. Et c'est marqué, donc inspiré de la série phare d'horreur espagnole Historias para no dormir. Si on n'a pas avant de dormir, résume. Pour vous empêcher de dormir, j'imagine. Qu'il a réalisé, donc Narciso Ibáñez Serra d'Or. Et le maître de la production télévisuelle espagnole, Serratudé. Voilà. Ça Donc, a tout de la faute, je vais vous le dire honnêtement, ça a été très dur pour moi Attends, on va décortiquer. Scénario. Relativement banal. Relativement banal, Oui. même si la fin me surprend. Oui, Je vais parce pas que cacher ça. je pense que la base est là. Alors, je vais pas vous spoiler. Aussi, peut-être un petit peu quand même. Donc, je vous spoil, hein, je vous le Regardez dis tout de l'image. suite. Voilà, attention. Coupez le son. Quand je vous ferai coucou, vous revenez. Mais voilà. En fait, on part sur quelque chose de fantastique. Oui, il était assez, pas gore, mais malsain. Et il se trouve qu'il y a un switch final. Voilà. Voilà. Qui, pas moins malsain, c'est un peu quand même. Revenez! Voilà. Voilà. Donc, Mais ils arrivent à vous le, à ils vous enrichissent. convaincre que c'est ça tout le long. Oui, ils enrichissent le scénario. Ils vous emmènent vraiment au bout de ce que vous pensez jusqu'au moment où ils switchent. Et ben non! Et c'est quelques secondes avant la fin, enfin C'est quelques ça, oh oui, minutes avant la clairement. fin, que vraiment ça switch et que vous dites. Eh Sauf ben que non. moi je l'avais vu. Putain, c'est chiant. Voilà. J'aime bien être moi des fois. Bah oui, c'est C'est chiant. pratique. Je l'ai vu venir, mais très tardivement, hein, attention par contre. Pour une Mais fois. présenté comme ça? Ouais, je l'ai vu venir, mais très tardivement. Présenté comme ça, Bobo? C'est vraiment au dernier D'accord. meurtre que je l'ai vu. Bah c'est bien du jeu. Voilà, donc c'est déjà bon, c'est déjà mieux. Scénario, c'est fait. Acteur. Actuellement, je trouve que c'est le point fort, parce que les trois s'en sortent très bien. Oui, Et la petite fille joue très bien. Ah Pour oui, ah une gamine oui. de cet âge-là, franchement, c'est. Et moi mon coup de cœur, je vais le dire en même temps, je suis désolé, hein, c'est Anna. Ah oui. Elle est à tes prises entre Ouais. empathie et horrible. C'est C'était. ça, Oh, c'est fou. le personnage est très bien construit et on hésite tout le Il est temps entre ambivalent. oh la pauvre et oh la salope. Oui, c'est. C'est très très compliqué. Donc Ah, mais la c'est sale pauvre! du coup c'est très bien, c'est C'est bien. Ah ouais, elle est très très bien forte. fait. La photographie, bah, c'est un huis clos hein, Oui, plus c'est quand un huis même clos, hein. faut On bien reste l'avouer. dans la Ils ont maison du pot d'avoir plus une très belle souvent. bâtisse pour. Oui. Je pense que la maison nourrit Oui, aussi, ils savent la mettre en valeur. voilà, nourrit De. aussi le scénario et les Ouais. effets. Il y en a pas Pas beaucoup. énormément, il y en a quelques-uns. Le sang est tout Tout à fait ça bien fait. crédible, voilà. On voit pas grand-chose, faut être clair. Non, non. C'est plus Ils suggéré misent qu'autre plus chose. sur. Voilà, Oui, ils misent plus voilà. sur la suggestion. C'est pas du Ça t'a fait visuel, chier hein. d'ailleurs. Mais quand tu vois Suggestif. la fin, tu Oui, ça comprends. m'énerve. Mais à la fin, tu comprends pourquoi, du Je suis coup. désolée, mais je veux C'est voir. ça? Arrêtez de me vendre quelqu'un qui fait une tête effrayée, je veux voir ce qu'il Voilà. voit, moi. Donc, du coup, le coup de cœur, j'ai du mal, par contre. Moi, ça ne.
à trouver un coup de cœur sur cette. Il y a quand même le bémol de... Alors, c'est très bizarre ce que je veux dire. Il n'y a pas de rythme, c'est clair. Mais non, en fait, c'est même pas ça. Et c'est en même temps, le, si. Le rythme, si vous voulez, c'est un peu compliqué. Comme une pulsion cardiaque. C'est plus ça. Parce qu'il y a quand même une tension. Oui. Qu'ils arrivent à maintenir. Bémol. Mais c'est une tension comme ça, vous voyez, genre. Vous avez l'impression que c'est. En fait, la tension, elle a été pondue sur la musique des Dents de la Mer. C'est. Ta-da-da. Oui, encore, des fois, le calme est plat. Puis à la fin, ils arrivent à faire un. Et malgré tout, c'est le genre de film qui, malgré cette espèce de rythme un petit peu. Voilà. Arrive à maintenir suffisamment l'intérêt. De suspense et l'intérêt. D'intérêt pour vous suivre. C'est ça, parce que on veut savoir ce que oui, ce voilà, on a le tout le temps envie d'aller plus loin, et je trouve que c'est pour ça. Alors, on l'a classé à voir, mais pas oublié, parce que pour nous, c'est pas forcément à oublier. D'abord, il y a quand même un côté très téléfilm, hein. Oui. C'est une évidence. Mais ils s'en cachent pas. Il y a un côté télé, mais bon, ben voilà, c'est assumé. Mais il y a ce rythme qui est. C'est ce qui m'a. Un peu pénible. M'a sorti un peu du film. Voilà, mais par contre. Il est à voir parce que en fait le switch et puis il est pas si désagréable à regarder. Non. C'est pas un film dans lequel vous allez forcément vous endormir, mais c'est vrai qu'il peut paraître mou. Donc voilà. Malgré l'envie que vous avez de le finir évidemment pour donc, savoir. Donc si vous l'avez vu comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Vous pouvez donner votre avis évidemment. Et puis parce qu'on ne le fait jamais, je vais vous le coller maintenant. Likez, dislikez, abonnez-vous, partagez. Mais voilà. Surtout commentez. Commenter. C'est ça l'intérêt, c'est d'échanger. C'est vraiment la base, hein, c'est ce qu'on vous demande à chaque fois. C'est ce qui nous apporte le plus. Et on a une très bonne communauté, on le continue à le dire. Ah oui. Bravo à vous, parce que franchement. Comme ça. Vous nous portez littéralement. C'est grâce à vous qu'on continue ce genre de vidéo et que maintenant c'est le cœur de la chaîne. Tant pis pour vous. C'est grâce à vous qu'on continue. Vous êtes la cause et la raison de tout notre bonheur. Et ben voilà. Du coup, on va en connaître d'autres. C'est de ma faute. Chousse. Non, j'ai pas envie. C'est pas logique du coup. J'en ai marre.